Regardez-moi ça, monsieur Pierre. Si c'est pas malheureux. Bachir, tu crois que c'est pour ça que je t'achète des cahiers? C'est pas moi, papa. J'y suis pour rien. Ces pages ne se sont pas arrachées toutes seules. Et ces gribouillis vaut rien. C'est pas moi, je te dis. Tiens, tiens, c'est intéressant, ça. Dites-moi, papa Saïd, vous connaissez l'histoire de la fée du robinet? Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Il était une fois deux sœurs qui s'appelaient Martine et Marie. L'une était honnête et obéissante. L'autre était gourmande et mal élevée. Qu'est-ce que tu fais, Martine? J'ai faim. Tu sais bien qu'on n'a pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que les parents dorment. Fiche-moi la paix, Marie. Sainte Nid touche. J'ai soif. Bonjour Martine. Veux-tu être gentille, Martine? Donne-moi un peu de confiture. Attention, on dirait une fée. J'ai tout intérêt à me mettre bien avec. Mais certainement, madame. Tout de suite, voilà, madame. Merci, Martine. En récompense de ta gentillesse, je vais te faire un don. À chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche une perle. Bah, ça alors? Alors? Ce sont des vraies? Mais le bijoutier dit qu'elles sont un peu petites. Petites? Si elle disait des mots plus longs, elle en ferait peut-être des plus gros. Plus longs? Attends. Monsieur Pierre! Monsieur Pierre! Vous qui écrivez des livres, quel est le mot le plus long que vous connaissez? Le plus long? Anticonstitutionnellement! Anticonstitutionnellement! Elle n'est pas plus grande! Et toute biscornue! Ça ne fait rien! De toute façon, notre fortune est faite! Martine, tu n'iras plus à l'école! Tu vas rester ici à parler toute la journée. Super. Et gare à toi si tu te tais. Martine était bavarde et paresseuse. Elle fut enchantée de ce programme. Je m'achèterai une robe en soie mauve et en satin jaune. Et un chapeau de toutes les couleurs avec des cerises dessus. Et aussi des chaussures en crocodile et un col en fourrure de renard bleu avec des gants assortis. J'irai tous les soirs au cinéma, au théâtre et au restaurant. Et je ferai 5 repas par jour. Non, 6. Alors, tu rêves ou quoi? 7. Menu gastronomique. Entrée, steak, volaille, plat du jour, fromage et dessert. Jamais de poisson ni d'épinards. Burrito obligatoire, huître, coquillettes au gratin, mimosa, gâteau au chocolat. Je ferai le tour du monde sur mon avion privé. D'abord, je visiterai les îles, puis l'Amérique, et puis j'en ai assez, moi. Je suis fatiguée, j'en peux plus. J'arrête. Allez. Alors, et qu'est-ce qui te prend en paresseuse? Tu vas parler, oui ou non? Attention, je vais me fâcher. Fille en grotte! Grotte, grotte, grotte! Insolente! Parler comme ça, t'es... Oh! Mais, dis donc, t'as vu ça? Bien sûr, j'aurais dû y penser. Chaque fois qu'elle dit un mot ordinaire, elle crache une petite perle. Mais quand c'est un gros mot, elle en crache une grosse. Essaye encore un gros mot pour voir. Bah, puisqu'on te le dit. Zut. Mais plus grossier, voyons. Pas plus vulgaire, enfin. Mijauré. Gros cul. Bien. Et continue. Crotte, crotte, caca, prout, prout, caca, pipi, popo, crotte de bique. Bravo, ma fille. Tu es la petite chérie de ta maman. C'est bon, vas-y. Caca doigt, prout, crotte de bique, de crotte de bique, de pipi caca, de caca pipi. À partir de ce jour-là, les parents obligèrent Martine à ne plus dire que des gros mots. Au bout d'une semaine, cette vie ne lui parut plus tenable. Elle s'enfuit de la maison. Ça ne va pas, mademoiselle? Non. Ça ne va vraiment pas? Pas du tout. Vous êtes merveilleuse. Parlez encore, dites quelque chose.
Je n'ose plus parler. Avec toutes ces perles, la peste soit de la fée du robinet qui m'a affublée de cette malédiction. Au contraire, si vous saviez comme j'aime à vous entendre, restons ensemble, nous nous marierons demain. Ainsi, nous ne nous quitterons plus et nous serons heureux, je vous en prie, dites oui. Oui. Affaire conclue. Pendant ce temps, Marie, la jeune sœur, avait été impressionnée par toute cette histoire et n'avait pas la moindre envie de rencontrer la fée du robinet. Tiens, voilà ta soupe, Marie. Elle est un peu salée, non? Juste une impression, ma fille. Mange. Mange, on te dit. Non, je n'ai pas soif. Non, je n'irai pas boire à la cuisine. Non, non, non. Tu salis plus. Tais-toi donc, la voilà. Bonjour Marie, toi qui es si bonne, donne-moi donc un peu de confiture. Merci bien, je n'ai pas besoin de vos dons. Vous avez fait le malheur de ma sœur, c'est suffisant. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que mes parents dorment. Bon, puisque tu es si peu aimable, je te donne pour don qu'à chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche un serpent. Maman! Il faut emmener cette petite chez le docteur. Immédiatement. Allons, allons, ne vous désolez pas. Tout cela n'est peut-être pas si grave. Voulez-vous me suivre? Penchez-vous bien. Là, comme ça. Dites un mot, n'importe lequel. Docteur? Une couleuvre, très bien. À présent, dites un gros mot pour voir. Allons, un petit gros mot pour le docteur. Que? Qu'elle est gentille, un gros boa. À présent, dis-moi une parole méchante. Pour me faire plaisir, ma petite Marie. Sale vache. Des vipères. Mon Dieu. C'est bien ce que je pensais. Pour un gros mot, il sort un gros serpent. Et pour un mot méchant, un serpent venimeux. Que faire, docteur? C'est bien simple. Cher monsieur, chère madame, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Vous pensez que le mariage la guérira? J'espère bien que non. Voyez-vous, je travaille à l'Institut Pasteur à la fabrication des sérums anti-venimeux. Dans mon service, nous manquons terriblement de serpents. Une demoiselle comme votre fille sera pour moi un trésor. Et c'est ainsi que Marie épousa le jeune médecin qui fut très bon pour elle et la rendit aussi heureuse qu'elle pouvait l'être avec une pareille infirmité. De temps en temps, sur sa demande, elle lui disait des mots atroces pour lui fournir des serpents venimeux. Quant à sa sœur, Martine, la méchante, dès le lendemain de son mariage, elle s'était réveillée seule. Raoul, mon chéri, où es-tu? Ah, te voilà. J'ai une faim de loup, mon amour. Doucement. Tu vois ce bocal? Je veux que ce soir, il soit plein de perles et des grosses, pas des minables comme celle-là. Brut! Je vois que tu comprends vite. À quelque temps de là, la fée du robinet voulut savoir ce qu'il était advenu des deux filles. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous ne croyez pas que vous avez fait assez de mal comme ça? Que voulez-vous dire? Je n'ai fait que mon métier de fée. Récompenser votre fille la plus aimable et punir la mauvaise. Vous trouvez? Notre gentille petite Marie, elle nous crache maintenant des serpents, veux-tu en voilà? Et notre aînée Martine, la mauvaise, elle vous fabrique des perles à la chaîne. Attendez, j'aurais puni la gentille et récompensé la méchante. Même pas, vu que la mauvaise s'est mariée à un voyou brutal qui lui fait cracher des perles nuit et jour. Et que la gentille au serpent a épousé un bon docteur qui lui fait la vie douce et tendre. Arrêtez, je n'y comprends rien. Vous auriez mieux fait de vous tenir tranquille, oui. Pas assez le monde. Je juge tout de travers, je ne prévois même pas les conséquences de mes actes. Il faut que je trouve un enchanteur plus sage que moi. Je l'épouserai et il m'aidera à y voir clair. Thank you.
chanteur noir couleur du soir. Je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser? Non, je ne veux pas. Tu es trop grosse. Mal élevée. Tant pis pour toi. Chanteur brun, couleur de rien, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser? Non, je ne veux pas, tu es trop maigre. Tu n'y connais rien. Tant pis pour toi. Celui-là, il ne faut pas que je le rate. Il est beau. Pourvu qu'il m'aime comme je suis. Enchanteur bleu, couleur des cieux, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser? D'accord. Avant tout, il faut ôter leurs dons à Martine et Marie. Tu crois? Vraiment? C'est la première chose à faire. Abracadaplique, abracadaploque, c'est finique, c'est finoc. Ça ne marche plus, Raoul. Plus du tout. Parlons sérieusement, ma petite. Je crois qu'il est temps que tu fasses tes valises et que tu retournes chez ta mère. J'ai pas l'intention de te nourrir à rien faire. Plus rien, vraiment? Mais c'est merveilleux, ma chérie. Tu vas enfin pouvoir me parler gentiment. Ah, j'oubliais. Le lendemain, le papa de Bachir trouva le cahier de son fils tout déchiré et gribouillé. Papa, c'est moi, tu sais, qui ai déchiré mon cahier. Oh.